Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge sur réponse. Donc, comme d'habitude, c'est la vidéo avec Manon maintenant, hein, puisqu'il n'y a plus que Manon. Voilà. Et je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller vous abonner, lui laisser des gentils commentaires et plein de pouces en l'air. Et voilà. Donc, on va attaquer tout de suite. J'ai juste fait mon teint, j'ai juste mis le bronzer. Je vais passer au blush. Je vais me rapprocher un petit ch'touille quand même. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre le blush de chez L'Oréal, comme ça, qui s'appelle le blush et qui sent la barbapapa. J'adore l'odeur et c'est un blush que j'aime beaucoup utiliser quand je veux un blush bien rosé. Parce que c'est pigmenté et lumineux. Donc, je vais appliquer ce blush-là en blush. Elle était bien bonne, celle-là. J'ai l'impression que je ne le vois pas beaucoup. Le bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Donc, je monte assez haut sur ma tempe. Que vous allez voir que le maquillage des yeux, ça va être pas grand chose. Et je le mets également sur ma paupière. Donc je le mets d'abord avec le gros pinceau et je pense que je vais y aller au doigt après. On va effectivement y aller au doigt, histoire que la paupière soit rose quand même. Ça fait un très joli fard à paupières si vous voulez un petit make-up rapide et très soft. Voilà, bien évidemment, je m'en fous partout. Et je vais reblender avec celui-ci. Ensuite, je prends l'highlighter Wings avec le côté rose. Donc là, on y va, on n'a pas peur. Je le mets en tant qu'highlighter partout. Et je monte aussi assez haut. Sur ma tempe et pareil je le mets sur mon œil et je le mets partout jusqu'à l'arcade sourcilière. Voilà, on fait des pétouilles aujourd'hui et voilà pour le make-up des yeux. Je me fatigue pas trop aujourd'hui. Alors ensuite je sais pas si ça fonctionnera avec la palette Athena de You Can Be que j'ai eu dans le swap avec Manon justement, donc allez voir sur sa chaîne pour voir ce qu'elle a eu. Et je vais prendre un pinceau comme ça, arrondi au bout. Donc on va tester. Je ne sais pas du tout si ça va pour faire ce genre de détails. Je n'ai jamais testé pour ça encore, je ne l'ai testé qu'une fois. Alors, je vais faire une tresse qui part d'au-dessus de mon sourcil, de chaque côté. Attendez, je réfléchis dans quel sens que je dois aller. Ouais, je pense que ça peut le faire. Mais je pense que je vais plutôt pas trop m'enquiquiner. Je vais faire un trait. Je le fais partir un peu plus évasé à la fin hein, pour faire la pointe de la tresse. Et ben c'est pas mal, hein, ça se travaille même au détail. C'est cool. Depuis le temps que je la voulais, j'en suis vraiment contente. Alors, je vais prendre, je vais garder la même palette d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu changer. Et je vais prendre le marron ici, donc avec un pinceau liner, comme ça. On va essayer, hein, pour faire les détails de la tresse. Je ne sais pas si ça va vraiment ressembler à une tresse ou pas. Je pense que ça peut le faire, hein. Bon, la batterie a coupé, merci à la batterie de secours. Donc je disais oui, hein, ça rend bien, hein. Ça fait un effet de tresse, tout simplement. Donc ici, je fais juste quelques petits traits pour la touffette de fin. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et bah écoutez, je suis plutôt contente de ma tresse. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, logiquement, les fards gras, ils ne sèchent pas vraiment. Ça a l'air quand même de sécher un peu, donc voilà. Sinon, si vous voulez être sûr, vous poudrez un petit peu.
je vais pas m'enquiquiner avec ça. Hein. Alors, je vais prendre ma colle à fossiles. Et je vais déjà mettre des grosses traces. Je vais en mettre un ici. J'espère que ça va tenir. Ça devrait être bon. J'ai sorti deux petites fleurs que je vais mettre ici. En bijoux, hein, je parle, parce qu'après je vais étaler tous les strass fleurs. J'arrête pas de choper. J'ai cru que j'étais pas en train de filmer. Oh. Voilà, et maintenant je vais coller tous mes petits strass fleurs, puisqu'elle a plein de fleurs dans sa tresse. Alors, attendez, je vais en sortir quelques-uns, ça sera plus simple. Elle a plusieurs couleurs, donc je ne fais pas trop attention aux couleurs non plus. J'ai les petites roses là, je pense que je vais utiliser principalement celle-là. Donc voilà pour les strass. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. Donc les yeux, je vais juste faire un trait de liner, mettre du rose en muqueuse et mettre des fossiles à pointe rose du chichi. Donc ça, je ferai hors caméra. Je vais mettre sur les lèvres le Razzmatazz des Jumbo, comme ça, de chez Focalure. Ouais, je pense qu'il sera assez rosé. Donc je fais ça, je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Donc voilà le look final pour le Réponse Rapunzel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je suis dans le thème, si quand vous voyez ce make-up, ça vous fait penser à Réponse. Voilà, je suis bien contente. Moi, je suis contente du résultat. La tresse, j'ai plutôt géré. Et voilà, je suis très contente. J'ai rajouté des petites flowers dans mes cheveux. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai juste fait un petit trait de liner pailleté rose ici avec le mini HM que j'ai eu dans le calendrier de l'avant. Donc voilà pour ce Disney Challenge. Le prochain, ça sera Aladdin et ensuite Atlantide, je crois. Je crois que c'est celui que moi j'avais choisi, c'était Atlantide. Donc c'est toujours les derniers, moi. Voilà. Et ensuite, on fera un petit tirage au sort, enfin, un petit sondage pour savoir dans quel ordre faire les prochains. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Manon qui est toujours dans la barre d'infos, de vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait, voilà, faites-la monter ma petite pichette d'amour. Et bah écoutez, de toute façon, on se retrouve demain puisqu'on se retrouve toute la semaine. Et n'oubliez pas le pouce en l'air ici aussi et de vous abonner ici aussi si jamais ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain, ça je l'ai déjà dit, et donc j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.